tribunal. Alors, dossier suivant. Merci, monsieur l'huissier. Merci. Alors, monsieur Hubert, c'est lequel? Monsieur Hubert, si vous voulez vous avancer, s'il vous plaît, vous mettez à ma gauche. Donc, complètement à droite, là-bas. Monsieur Hubert. Monsieur Palomo. C'est là, vous vous mettez à côté de monsieur Hubert, s'il vous plaît. Monsieur Pambrin, c'est vous, vous vous mettez à côté de monsieur Palomo. Monsieur Penawat, voilà. Monsieur Taliercio, Taliercio, c'est vous, vous enlevez la main de la poche, s'il vous plaît. D'accord. Alors, monsieur Hubert, tout d'abord. Donc, vous avez un casier judiciaire ne portant mention d'aucune condamnation. Vous avez déjà été condamné, monsieur? Non. Alors, monsieur, donc vous vous êtes poursuivi pour avoir à Aigrefeuille, entre le 8 juillet 2008 et le 16 juillet 2008, recélé un appareil photo que vous saviez provenir d'un vol aggravé pour avoir été commis par, avec les deux circonstances suivantes, en réunion et par escalade. Alors, ensuite, monsieur Palomo, condamné le 14 décembre 2007 par le tribunal pour enfants de La Rochelle pour recel. C'est ça. Alors, vous, vous êtes poursuivi pour avoir à La Rochelle, entre le 2 et le 8 juillet 2008, frauduleusement soustrait divers objets, notamment un VTT, un MP3, un autoradio, une antenne, des lunettes de soleil, appareils photo, carburant, du matériel IFI, une clé de voiture, des vêtements de marque, vol commis en réunion et avec dégradation, destruction, détérioration. Monsieur Pambrin, c'est vous donc. Alors, monsieur Pambrin, vous avez un casier le plus chargé. Vous avez été condamné à de nombreuses reprises, hein, déjà, à 10 reprises. Donc en 2003, tribunal correctionnel de Rochefort, 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé, tentative de vol aggravé et vol avec effraction. Le sursis a été révoqué. 2004, La Rochelle, port d'armes prohibées, donc de 6e catégorie, 15 jours avec sursis et confiscation de l'arme, sursis révoqué. 2008, un mois ferme pour violence sur personne dépositaire d'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Alors vous êtes poursuivi pour pas mal de faits aussi, donc à Aigrefeuille dans la nuit du 16 au 17 juillet 2008, volé différents objets, notamment des cannes, des moulinets de pêche, aquarium, une piscine hors sol, un karcher, avec effraction en réunion, en récidive légale. Et enfin, d'avoir au Breuil-Magnier, dans la nuit du 16 au 17 juillet 2008, volé du matériel IFI, une clé de voiture, des vêtements de marque, en réunion et par effraction, en récidive légale. Donc ça, c'est pour vous. Ensuite, nous avons monsieur Penawat, un casier judiciaire ne portant mention d'aucune condamnation. Vous êtes poursuivi, monsieur Penawat, pour avoir volé donc deux clés USB, une perceuse, appareil photo en réunion avec escalade dans un local d'habitation et d'avoir à Aigrefeuille dans la nuit du 7 au 8 juillet 2008 volontairement dégradé un bien, c'était la piscine, donc ça, c'est vous. Et enfin, le dernier élément. Monsieur, si vous voulez bien vous taire un peu, ça commence à devenir fatigant. Tout à l'heure, on m'a dit si on parle tous en même temps, monsieur, ça va pas aller. Excusez-moi. Oui. Je vais vous donner la parole, vous inquiétez pas, monsieur. Vous aurez la parole. Il n'y a pas de souci. Mais je finis les citations. C'est obligatoire. Pas de problème. Après, alors, Taliercio Kevin... Vous avez été condamné par le tribunal correctionnel de La Rochelle le 11 juillet 2009 à 400 euros d'amende en composition pénale pour recel et vol. C'est des faits commis en 2008. Alors vous, on vous reproche d'avoir à Aigrefeuille dans la nuit du 7 au 8 juillet 2008 volé des documents administratifs et bancaires en réunion et avec dégradation. Et d'avoir à Aigrefeuille dans la nuit du 7 au 8 juillet 2008 volé deux clés USB, une perceuse, un appareil photo dans un local d'habitation et en réunion. Voilà, donc est-ce que les uns et les autres vous confirmez ce que vous avez dit au juge d'instruction? Alors, vous, monsieur, est-ce que vous confirmez vos déclarations? Vous reconnaissez les faits pour lesquels vous êtes poursuivi?
Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Monsieur. Oui. Oui, pareillement. Vous, oui. Monsieur. Oui. Oui. Oui, la même chose. Vous confirmez vos déclarations. Monsieur. Moi, juste une chose. Oui. Je suis accusé de cambriolage ou je suis accusé non, de quoi? Parce que, d'avoir détenu. Vous, voilà, je suis jamais allé chez personne. Mais monsieur. Alors oui, justement, vous faites voilà, bien de poser ça, la question. Vous, c'est juste d'avoir détenu un objet. C'était juste pour ça que depuis tout à l'heure, je perdais un peu de patience. Eh ben, non, mais vous voyez, on arrive à s'expliquer. La seule chose, c'est que ça ne sert à rien de gesticuler. Je vous donne la parole à un moment donné. Donc, excusez-moi. Non, c'est du recel, monsieur. Alors, donc, sur les faits, c'est assez simple, mais le souci, c'est le nombre de faits, et pour certains, malgré les condamnations, ça, c'est un premier souci. Un autre souci, c'est le non-respect du contrôle judiciaire aussi. Vous voyez de quoi je veux parler. Vous aviez notamment l'interdiction de vous rencontrer, hein, les uns les autres. Or, M. Palomo a rencontré M. Penoat. Ils ont plus que rencontré d'ailleurs. Hein. Il y a eu un incident avec intervention de la gendarmerie, hein, dans un magasin. Donc vous avez été entendu là-dessus par le juge d'instruction. Vous avez dit on fait partie de la même bande, on est les copains. Et par conséquent, on continue à se voir. Voilà. Donc, ce qui est assez désagréable, hein, ça n'arrive pas trop souvent qu'il y ait des procédures comme ça en contrôle judiciaire, mais bon. Rappel des obligations par le juge d'instruction, le pointage, pareil. Il n'y a pas beaucoup de sérieux dans leur recherche de travail non plus qui avait été noté. Qu'est-ce que vous faites les uns et les autres alors dans la vie actuellement ? Technicien du son, enfin ce qu'on appelait anciennement ingénieur du son. Oui, et vous travaillez ? Là, j'essaye. En fait, j'ai un contact qui veut bien me prendre. Mm-hmm. Le problème, c'est comme j'ai eu des problèmes avec la drogue étant plus jeune, j'aurais préféré régler ce problème avant et après les travailler. Donc vous l'avez toujours, le problème ? Non, je ne l'ai plus. Je suis aux médicaments. La drogue, c'est fini. D'accord. Mais le problème, c'est que eux et moi, on hésite entre faire d'abord la cure ou travailler parce que... Il y a des jours où je ne suis pas apte à travailler, c'est vrai que... Bon. D'accord. Monsieur Palomo, qu'est-ce que vous faites ? J'ai pas de travail en ce moment, j'ai loupé mon CAP de boulangerie. Ouais. Là, en ce moment, je suis en train de passer mon permis pour pouvoir... J'habite dans un petit village, donc pour trouver du travail sans moyen de locomotion, c'est pas forcément facile. Je suis en train de passer mon permis pour pouvoir chercher un peu plus loin, un périmètre plus long, quoi. Bon. Les soucis, ouais, le contrôle judiciaire, ça a été très moyen. Hein. Je ne l'ai pas respecté. J'ai changé d'adresse en fait pendant un temps. J'ai été viré de chez ma mère, enfin ma mère m'a mis à la rue. J'ai vécu un petit peu sur Rochefort, sans moyen de locomotion. Bon, c'est de ma faute, c'est pas une Ça ne vous a pas empêché d'aller voir votre copain quand même. Oui, non. Oui, hein. Voilà. Ouais. Mais... Et ça, c'est interdit, ça. Ça me dure restreint. Oui, complètement. Et puis, il n'y a pas trop de recherche de boulot hein, non plus. Hein. Bah, je vais essayer de refaire un contrat d'apprentissage. Et les seules réponses que j'ai eues, c'est « Vous avez 19 ans, ça nous fait trop de charges. » Donc... Bon, alors, monsieur Pembrun, vous... Alors, vous êtes un petit peu plus âgé, hein, vous êtes le doyen du groupe. Votre mère est décédée, hein, quelques années. Ça fait... Il y a combien de temps qu'elle est décédée, votre mère ? Vous avez quel âge ? Vous aviez quel âge ? Je devais avoir 20 ans, quelque chose comme ça. Une vingtaine d'années. Donc, vous avez été élevé par vos parents ou... Non. Comment vous avez été ? Pas grand foyer. Hein ? Les foyers. Dans les foyers ? Ouais. Dû à quoi ? Bah, des problèmes familiaux. Je connais pas mon père, déjà. Vous ne connaissez pas votre père ? Oui. Ouais. Il n'y a pas d'éléments, effectivement, d'informations, pas grand-chose là-dessus. Vous avez fait un CAP de peintre en bâtiment, mais vous n'avez pas eu le diplôme. Ouais, j'ai pas été jusqu'au bout. Hein ? J'ai pas été jusqu'au bout. Oui, pourquoi ? Parce que on est jeune et puis on fait un peu ce qu'on veut. Alors par contre vous gagnez votre vie donc vous travaillez. Ouais mais j'ai pas mal de dettes. Ouais. Vous n'aviez pas de dettes quand vous aviez été entendu par le travailleur social. Mais normal c'est depuis que je suis sorti de tôle. C'est depuis que vous êtes sorti de tôle. Bah ouais j'ai perdu mon logement, je me retrouve avec les factures de la personne qui m'a squatté mon logement. En plus de ça j'ai la CAF qui me tombe sur la gueule. Donc, puis j'ai aussi toutes mes amendes que j'ai été condamné. Et donc, c'est pour ça que vous volez, alors ? Vous êtes remis à l'activité de vol, hein ? Non. Non ? Pourquoi vous volez, alors ? Parce que, vu le nombre de condamnations, vous devriez peut-être un peu vous tenir à carreau, non ? Ça vous a pas effleuré l'esprit ? J'ai pas eu une vie facile.
Et comment vous voyez l'avenir, monsieur ? Bah, j'espère que ça va aller beaucoup mieux, hein, que maintenant je trouve du travail, et je pense que la tôle, ça sert un peu de leçon. Ça ? Ça sert de leçon. Moi, la question que je me suis posée quand j'ai vu le dossier, c'est qu'est-ce qu'il attend pour arrêter ce monsieur, vu l'accumulation de faits. Donc, qu'est-ce que vous attendez concrètement pour arrêter ? Parce que vous avez quand même eu du travail, vous êtes quelqu'un qui avait quand même une formation, qui avait... Alors, monsieur Penoat, vous... Alors, le contrôle judiciaire, pareil, pas beaucoup de motivation, on va dire. Ça signifie pas grand-chose pour vous, le contrôle judiciaire ? Ah ben, j'ai fini plusieurs fois à la rue. Ouais. Oui, mais c'est pas parce que vous finissez à la rue que vous allez refaire des bêtises avec le copain ? Non. Hein ? Non. Vous êtes actuellement... vous vivez chez vos parents, vous êtes... vous êtes retourné chez eux ? Oui. Ils vous ont accepté ? Oui. Il y a eu un contrat à marcher de fait avec vos parents. J'ai passé mon permis et je suis toujours à la recherche de travail. J'ai fait quelques stages. Vous l'avez passé, votre permis ? Oui. Vous l'avez eu, donc ? Oui. D'accord. Vous avez quoi comme formation, monsieur ? Moi, j'ai fait 2 ans peintre en bâtiment. J'ai pas passé le CAP. Je comptais pas continuer. Vous l'avez pas eu ? Oui, vous l'avez pas passé. Et depuis ? Depuis, de stage en stage. Le travailleur social mettait qu'il n'y avait aucune recherche, aucune quoi que ce soit en matière d'emploi, enfin rien de, si ce n'est que vous étiez inscrit au Pôle emploi, mais vous justifiez de rien. Vous n'avez justifié de rien par rapport à... Ça, je m'en expliquerai avec le président. Oui, vous avez des éléments. Moi, j'ai des justificatifs. Bah oui, mais c'est vrai que ce jeune homme, il avait un petit peu tendance à jeter immédiatement les lettres de refus qu'il recevait. Bah oui. Et donc, évidemment, avec des difficultés pour en justifier. Alors, il m'a même d'ailleurs retrouvé certaines à la campagne. Hein, Et là, actuellement, vous faites quoi, alors ? Toujours à la recherche de travail. Toujours à la recherche de travail ? Il n'y a pas de mission, d'intérim, rien ? Non. D'accord. Et donc, en ce moment, je suis focalisé sur aujourd'hui. Ouais. Vous voyez, j'étais un peu... D'accord, monsieur. Alors, monsieur Talircio, pardon. Donc, vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur ? Je suis électricien. Électricien ? Vous avez un CAP ou pas ? Non. Et vous travaillez ? Ouais. Oui. CDI, là. Un CDI ? Ouais. D'accord. Ça se passe bien ? Ça fait combien de temps ? Ça fait un an. Un an, d'accord. Vous vivez avec une copine, seul, avec vos parents Non, je suis tout seul. Tout seul ? Ouais. Vous êtes célibataire ? Vous n'avez pas d'enfant ? Enfin, j'ai une copine, mais je vis tout seul. Ouais. D'accord. Vous n'avez pas d'enfant ? Non. Ok. Bon. Madame le procureur, des questions à poser à l'un d'entre eux ? Est-ce que vous avez des explications au passage à l'acte ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Est-ce qu'il y avait de l'alcool ? Est-ce que vous étiez alcoolisé ? Pas toujours forcément. Des fois, il y a eu. Mais il n'y a pas vraiment d'excuses. On a fait ça. Je sais pas, j'arrive pas à m'expliquer pourquoi. J'ai fait ça, ça m'a servi à rien. Et alors qu'il est, je me retrouve devant vous un an et demi après. Je sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça, c'était vraiment inutile, c'est vraiment... J'ai pété les plombs, j'ai eu une période où j'ai pété les plombs, j'ai eu pas mal de changements dans ma vie, je sais pas... Peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est ça, je sais pas, Mon père est parti, enfin, il y a eu pas mal de choses, et... Enfin, voilà. Et vous, monsieur Penanoat, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Non, moi, j'aimais bien picoler, j'aimais bien fumer de la cannabis, et après, à partir de là... On suit les conneries, quoi. Et après, on réfléchit pas et on fait n'importe quoi. Et pour monsieur Talircio, c'est pareil, l'explication ? Moi, je me dis, c'est l'époque où on n'a pas trop d'argent, c'est les trucs faciles. D'accord, ok. Merci, madame le procureur. Est-ce que les avocats ont des questions à poser aux différents prévenus ? Est-ce qu'il y a des... Non. Messieurs, vous vous asseyez devant. Alors, madame le procureur. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du Tribunal, il y a peu d'explications aujourd'hui à l'audience. On a envie d'en savoir plus. Pourquoi ces passages à l'acte ? Et véritablement, je pense que l'explication, c'est bien sûr l'effet de groupe, le fait de vous trouver ensemble. C'est également le phénomène de déshérence, c'est-à-dire le fait d'être ainsi dans la rue la nuit, de ne pas avoir d'occupation, de ne pas avoir de travail, de ne pas être inséré professionnellement qui fait que vous avez commis ce genre de fait. Pour partie, la consommation d'alcool, la consommation de toxiques qui fait que vous n'aviez plus
tout le discernement au moment où vous passiez à l'acte. Je pense qu'on est face à des personnes qui sont immatures, c'est ce que j'ai envie de dire, de l'immaturité profonde chez ces jeunes hommes qui n'ont pas réalisé la portée de leurs actes. Et les faits pour lesquels vous comparaissez aujourd'hui à l'audience, ce sont des faits qui sont graves, parce que les peines que vous encourez, ce sont des peines de 7 années d'emprisonnement. C'est pas ce que je vais requérir à votre encontre, bien sûr, mais je tiens à ce que vous le compreniez. On est sur des faits d'une gravité particulière, 7 années d'emprisonnement prévues par le législateur pour ce genre de faits, commis à plusieurs, commis en réunion, commis avec effraction, commis avec dégradation. Alors je vais commencer par Monsieur Hubert, et comme ça il sera déchargé, puisque cette audience lui pèse manifestement. Son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation et il comparaît aujourd'hui pour des faits de recel, c'est-à-dire qu'il a accepté, alors qu'il savait que le matériel était volé, bah, vous expliquerez tout à l'heure si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il a accepté sciemment un matériel qui avait été volé, c'est du recel. Et il n'y a pas aujourd'hui de questionnement à avoir, à se trouver devant un tribunal correctionnel, parce que le recel, c'est une infraction qui est prévue par la loi et qui est réprimée pénalement. Alors je requiers à l'encontre de M. Hubert une peine d'un montant de 500 euros, hein, puisqu'il s'agit de faits de recel. En ce qui concerne M. Palomo, M. Palomo est connu de la justice et il est connu de la juridiction des mineurs, puisqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation. Le contrôle judiciaire, et c'est un point qui est important, n'a pas été respecté. Et visiblement, j'en tiendrai compte. Je pense, et je fais le même message à M. Pénanoit, qu'un contrôle judiciaire, c'est une chance, c'est déjà la possibilité de se réinsérer socialement, parce que le contrôle judiciaire, c'est un outil social, c'est un outil donc, de recherche de travail, etc. Et surtout, c'est une alternative à l'incarcération. Parce qu'on vous l'a expliqué, lorsqu'on ne respecte pas son contrôle judiciaire, ça veut dire que l'on part en détention provisoire. Et moi, je ne comprends pas que vous ne respectiez pas ce genre de mesures qui sont prévues et qui vous ont été ordonnées par un juge d'instruction et que l'on doive faire intervenir la gendarmerie, que l'on doive délivrer un mandat d'amener devant le juge d'instruction pour vous rappeler vos obligations. En ce qui concerne M. Pénanoit, il n'y a pas d'explication à ce comportement. Hein. Lorsqu'on l'entend et qu'on lui demande pourquoi il ne va pas pointer à la gendarmerie, c'est l'obligation qui lui est faite, il va nous répondre « bah, il y a des dates, j'ai zappé, et il y a des jours où je ne me suis pas réveillée. Bah, » voilà. C'est vraiment parce que vous n'en avez rien à faire, parce que vous vous asseyez sur ce contrôle judiciaire, que vous avez décidé de ne pas aller pointer. Pour moi, il n'y a pas d'excuse. Alors, en ce qui concerne M. Palomo, il est renvoyé aujourd'hui donc, pour 4 cambriolages. Il a déjà un casier judiciaire, donc je requiers la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple. En ce qui concerne M. Pambrin, vous l'avez indiqué, c'est parmi les prévenus, le prévenu le plus âgé. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas immature, mais ça veut dire qu'il a quand même le privilège de l'âge. Et ça ressort du dossier. M. Pambrin était l'instigateur et que donc il avait son véhicule et qu'il transportait la fine équipe de maison. Voilà, il faisait un rallye pendant la nuit dans le village et ils allaient voler ce qui était possible de voler. Son casier est extrêmement chargé, je pense pour partie par son histoire familiale, qui n'est pas une histoire familiale facile. Et je pense que cela peut expliquer pour partie les multiples passages à l'acte. Il encourt la peine de 7 années d'emprisonnement, soit une peine planchée de 3 années d'emprisonnement ferme. Est-ce qu'il peut entendre ça, 3 années d'emprisonnement ferme pour les faits qu'il a commis, parce qu'il est en état de récidive légale? C'est extrêmement lourd, c'est extrêmement sévère. 3 années d'emprisonnement, c'est véritablement bousiller sa vie, parce que 3 ans enfermés, c'est extrêmement difficile ensuite de se réinsérer professionnellement et socialement. Alors, il a été incarcéré déjà pour ses faits en détention provisoire, et aujourd'hui, il est dans une démarche de resocialisation. Donc, je requiers à son encontre la peine de 10 mois d'emprisonnement, 6 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec obligation particulière de travailler ou de suivre une formation, et également l'obligation particulière d'indemniser les victimes, et donc 4 mois d'emprisonnement ferme. En ce qui concerne M. Pénanoit, ce qui joue en sa faveur, c'est évidemment son casier judiciaire, puisqu'il n'a pas fait affaire à la justice jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, vous avez un jeune qui est également renvoyé non seulement pour des vols, mais également pour des lacérations d'une piscine. Ce sont des faits qui sont idiots, ce sont des faits qui sont véritablement pour embêter. Pour embêter, c'est tout. Vous ne retirez aucun bénéfice à lacérer une piscine. Je requiers à son encontre la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie en totalité du sursis. Et je requiers, en ce qui concerne la contravention
de dégradation légère, une peine d'amende de 300 euros. En ce qui concerne M. Talierceau, aujourd'hui, et tant mieux, je suis contente de l'entendre, il a réussi à tirer son épingle du jeu puisqu'il travaille, il a trouvé sa voie et ça semble lui plaire. Je requiers à son encontre, eu égard à son casier judiciaire qui était vierge au moment des faits, la peine de 3 mois d'emprisonnement assortie du sursis en totalité. Merci Madame la procureure. Alors, la défense, dans l'ordre qui vous plaira. Oui, Monsieur le Président, je pense que je vais intervenir en premier. D'accord, allez-y. Bien qu'étant la plus ancienne, parce que, en fait, j'interviens pour Monsieur Talercio. Mm-hmm. Il a toujours eu une qualité. C'est quelqu'un qui travaillait en intérim. Il était électricien. Il n'a pas de CAP, mais il est doué. Et je dirais, c'est ce qu'il sauve. Et depuis un an, il est en CDI. Ce travail et cette stabilité, ça lui a donné une fierté, ça lui a donné un équilibre, et ça donne aussi un sens à sa vie. Quand on vient aujourd'hui dire, ah ben attendez, du fait qu'il est primaire, je requiert 3 mois avec sursis, faut pas exagérer, 3 mois avec sursis, ben, moi je trouve que c'est beaucoup. C'est beaucoup. On entre quand même dans un mode de pensée et qui est tout répressif et de sanctions qui est tout répressif. Alors, moi, j'estime que la barre est trop lourde. Bon, vous apprécierez. D'autant plus qu'il a trouvé, je dirais, un statut, une dignité. Il est en train de faire son chemin. Ménageons-le, protégeons son avenir. Merci, Maître Abbé-Saint-Martin. Maître Priou. Monsieur Hubert, à votre audience, vous l'avez remarqué comme moi, est agité, il est mal à l'aise, et je ne crois pas, Madame le procureur, que ce soit du tout parce qu'il ne comprend pas pourquoi il est là ou parce qu'il ne respecte pas cette institution. C'est simplement une façon de réagir au stress qui est souvent différente d'un individu à l'autre, et c'est évidemment lié, il vous l'a dit tout à l'heure avec beaucoup d'honnêteté, à son état de santé, à cette substitution à des drogues dures qu'il a pu prendre pendant de longues années et qui font que les positions debout lui sont encore aujourd'hui difficiles à supporter. Je crois que la leçon essentielle qu'il a tirée de ce dossier, c'est effectivement cette expérience de garde à vue qui a été, bien entendu, éprouvante et qui lui a enlevé toute envie de racheter des objets dont il ne connaît pas la provenance, ce qui est garanti aujourd'hui. Sur la peine qui est requise, 500 euros d'amende, vous apprécierez. Simplement, la précision suivante, monsieur Hubert aujourd'hui n'a pas de revenus, il vit chez ses parents qui l'ont récupéré et qui essayent de l'aider à reprendre pied dans la société. Donc évidemment, à mon sens, cette somme pourra être amenée à une somme bien moins importante. Merci, maître. Alors ensuite, maître Fierce. Oui, monsieur le Président, quelques mots pour monsieur Palomo. Il y a une question qui est classique dans le procès pénal, c'est de dire pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? Sauf que on n'a jamais la réponse. Pourquoi ? Tout simplement, si on avait des individus qui étaient capables d'intellectualiser leurs actes, ils ne passeraient pas à l'acte. Je pense qu'on a eu un individu dans le cadre de M. Palomo qui ne savait pas un moment où était la barrière. Pourquoi ? Parce qu'il peut être perdu un moment dans sa vie. Il vous a expliqué que ça correspondait au moment où son père avait quitté le domicile conjugal. Il ne dit pas que c'est la raison. Il dit que c'est peut-être une piste de réflexion, parce qu'il a réfléchi aussi sur les faits. Quelle sanction maintenant prononcer ? Le ministère public a requis une peine de 6 mois assortie d'un sursis simple. L'avertissement est sévère, lourd. Vous avez d'autres pistes. J'avais évoqué la question de prononcer, le cas échéant, un travail d'intérêt général. Donc je pense que pour l'ensemble de ces éléments, vous devrez nécessairement écarter une peine d'emprisonnement ferme et assortir soit d'un sursis simple, soit avec de nouvelles modalités, mais qui permettront à M. Palomo de montrer à la justice qu'il n'est pas un délinquant de carrière. Merci, Maître Fierce. M. Palomo, vous levez, s'il vous plaît. Votre avocat pose la question éventuelle d'un travail d'intérêt général. Non, il n'y a pas de problème. Vous savez ce que c'est qu'un travail d'intérêt général ? Ouais, travailler pour vous, en quelque sorte, et histoire de réparer ma peine. Pour vous, pour le tribunal, la justice, quoi. Pas tout à fait. On travaille pour une collectivité ou une association, une mairie, etc. Et on doit faire un travail comme si on était payé, sauf qu'on n'est pas payé. Oui, pour rembourser ma peine. Voilà. Et d'accord. Ok. Donc vous. Moi, j'accepte. Il n'y a pas de problème. D'accord. Vous pouvez vous rasseoir. Ensuite, Maître Momet.
Monsieur le Président, Madame, Monsieur, vous avez manifestement une rencontre détonnante de gens qui sont en déshérence, qui sont en immaturité, une sorte de rencontre aussi de désespérance, car vous avez un trait qui est commun à ces jeunes, qui est le parcours difficile, qui est non pas derrière eux, mais qui est le parcours qu'ils sont en train de vivre. Alors Steven, que j'assiste, je sais que dans le dossier, on lui reproche beaucoup le non-respect des obligations de contrôle judiciaire. Ça s'est passé il y a maintenant près d'un an. Il a été amené entre gendarmes devant le juge d'instruction, et depuis le mois de mai 2009, vous n'avez plus entendu parler d'une quelconque violation par Steven Penanawat de ses obligations de contrôle judiciaire. Voilà, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, nous venons dans ces dossiers avec l'humilité qui convient. C'est la nature humaine, c'est la jeune nature humaine, celle qu'on ne comprend pas toujours très bien, mais celle qu'on est prêt à accompagner, qu'on est prêt à aider. Et moi, c'est ce que je demande au tribunal de faire. Merci, Maître Maumet. Monsieur Penanawat, vous vous levez, s'il vous plaît, un instant. Est-ce que le cas échéant, vous accepteriez de faire un travail d'intérêt général? Oui. Oui, d'accord. Merci, vous pouvez vous asseoir. Maître Chavigné. Aujourd'hui, Morgane Pambrun encourt effectivement, du fait de la récidive et du fait de cette fameuse loi sur les peines planchers, il encourt une peine de 3 ans d'emprisonnement. Aussi, il m'appartient de revenir particulièrement en détail sur son parcours de vie, qui n'est effectivement pas détaillé dans le dossier, et dont, avec pudeur, Morgane n'a pas souhaité s'étendre à la barre aujourd'hui devant vous. Morgane Pambrun a effectivement été placée à partir de l'âge de 2 ans, jusqu'à 19 ans en foyer. C'est pas courant. Sa sœur Séverine a été placée, elle, également en famille d'accueil. Morgane Pambrun n'a jamais eu de vie familiale. Il ne connaît pas son père. Il a très peu vécu avec sa sœur. Il connaît à peine son demi-frère. Et s'il a été placé pendant une période aussi longue, c'est que sa mère vivait avec des hommes qu'il a battus. Et qui avait battu Morgane Pambrun et sa jeune sœur. Il n'a jamais pu retourner donc vivre chez sa mère pendant cette période. Il n'a connu que les foyers. Morgane Pambrun est revenu vivre chez sa mère à l'âge de 19 ans. Et malheureusement, cette femme qui effectivement était dépressive et qui n'avait jamais réussi à essayer de créer un climat familial s'est suicidée. Et Morgane s'est retrouvée tout seule. Alors aujourd'hui, effectivement, le ressenti du dossier, c'est qu'on le représente un petit peu comme l'instigateur, parce qu'il était le plus âgé, parce qu'il a un casier judiciaire, parce qu'il avait une voiture. Morgane Pambrun ne nie pas sa responsabilité dans le dossier. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez en compte tous les éléments que je vous ai donnés par rapport à son parcours de vie. J'aimerais aussi que vous teniez compte aussi des éléments que je vais vous donner sur aujourd'hui sa situation actuelle. Morgane Pambrun a subi finalement un électrochoc au moment de sa garde à vue et au moment où il a subi donc cette peine d'emprisonnement ferme de 4 mois, où là, il a compris. Ça lui a servi de leçon, comme il vous l'a dit aujourd'hui. Il ne recommencera pas. Si vous le remettez en prison, si vous le remettez en prison en plus pour une durée de 3 ans, est-ce que vous pensez, avec les cartes qu'il a eues en main, les cartes, on peut dire, il n'a pas eu de chance quand même dans sa vie, est-ce que vous pensez qu'il pourra ressortir de l'eau? Est-ce que vous pensez qu'il sera définitivement perdu? Et c'est aujourd'hui que vous deviez prendre une décision mesurée en considérant que Morgane Pambrun s'est ressaisi, et je vous remercie d'en tenir compte. Je vous donne un peu tous les justificatifs, son contrat de travail, ses fiches de paie, ses certificats de travail. Merci, Maître Chavigné. Messieurs, vous vous levez, vous avancez. Est-ce que vous avez des choses à ajouter à ce qui a été dit? Si vous dites, c'est l'instigateur, moi. L'instigateur. Ouais.
instigateur. Ben, c'est ce qui ressort effectivement voilà, des déclarations des uns et des autres. Mais maintenant, tout le monde était d'accord pour le faire. On était tous adultes. Bon, non, non, mais tout le monde était d'accord pour le faire. Mais c'est vrai qu'il a eu un rôle plus important. C'est ce qui ressort nettement de la procédure. Mais tout le monde était d'accord, donc ça change pas. Quand il y a eu quelqu'un, quand on a été au commissariat, qu'ils ont demandé qui c'est qui avait fait quoi, la grosse différence, c'est que moi, j'ai rien dit. Du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai juste dit ce que j'avais fait. Je prends pour principe que voilà, chacun fait ses bêtises, chacun assume ses conneries. Point. Moi, j'ai dit ce que j'avais fait. D'accord. Donc, vous pouvez retourner dans la salle, on rendra la décision tout à l'heure. Ou vous pouvez repartir, retourner dans la salle, la décision sera rendue tout à l'heure. Dossier suivant. Vous avancez tous dans le même ordre que tout à l'heure. Vous vous souvenez? Voilà. Alors, Monsieur Hubert, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés en enlevant la main de la poche, s'il vous plaît. Vous êtes condamné à 200 € d'amende. Monsieur Palomo, vous êtes déclaré coupable des faits qui vous sont reprochés. Le tribunal vous condamne à 4 mois d'emprisonnement. La peine est assortie d'un sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général de 140 heures dans un délai de 18 mois. Alors, vous avez par ailleurs une obligation d'indemniser les parties civiles. Pour ce qui est de Pembrun, Monsieur Pembrun, donc le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Vous êtes condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 32 mois avec sursis mis à l'épreuve pendant 3 ans. Ça signifie, monsieur, que s'il y a une défaillance, que ce soit sur l'indemnisation, sur le travail ou sur la commission de nouvelles infractions, à ce moment-là, la peine sera ramenée à exécution et vous aurez donc 32 mois de prison à effectuer. Voilà ce que ça signifie. Ça veut dire que c'est une ultime chance, entre guillemets, tout en étant une peine que le tribunal prononce et vous donne. Alors ensuite, Monsieur Penoat, donc le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Vous êtes condamné à 4 mois d'emprisonnement, assorti d'un sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général de 140 heures dans un délai de 18 mois. Obligation également d'indemniser les parties civiles. Ensuite, Monsieur Taliercio, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Vous êtes condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Il s'agit d'un sursis simple. Vous vous asseyez sur le côté, on va vous notifier les obligations et les convocations. Ensuite, le dernier dossier. Dossier numéro 4.